Ah, déjà le matin. Bon, je me lève. Anna, t'es réveillée? Oui, je suis déjà réveillée. On peut jouer à quelque chose? On peut construire le château? Bonne idée. Je vais me changer. D'accord, moi aussi. Ah. Je crois que les enfants se sont déjà réveillés. Ah ouais, et elle commence déjà à jouer. Oh, c'est pas grave. Nous aussi, on peut en profiter, on reste couché. C'est amusant de jouer avec le château. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas construit. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour maman. On joue avec le château. Ah oui, je vois bien. Bon, je vais descendre préparer le petit déjeuner. D'accord. J'ai une idée. J'ai encore des restes de tissu dans ma chambre. Nous pourrions les utiliser comme couverture et tapis. Bonne idée. Je vais chercher. La princesse peut dormir là. L'autre tissu, on peut s'en servir comme tapis pour cette chambre. D'accord. J'ai une idée. J'ai toujours un bon bateau. Regarde, Léna, un bateau, on peut faire un tour au lac. Mais c'est un bateau de course. C'est pas grave. Mais ça ne correspond pas du tout au château. C'est le carrosse qu'il faut pour voyager. Non. Si, je ne joue plus. Sors de ma chambre. Tu peux jouer dans ta chambre au bateau. Tu es injuste. Alors, je prends aussi tout ce qui m'appartient. Alors, tu n'as plus de voiture. Ça m'est égal. Et dans ma chambre, tu n'as plus le droit de venir. De toutes les façons, j'ai plus envie. Maintenant, il est temps de prendre le petit déjeuner. Les enfants, venez prendre le petit déjeuner. Mais je croyais que vous jouiez ensemble. Vous vous êtes disputés ou quoi? Je ne joue plus jamais avec Anna. On se calme. Bon, on va faire quelque chose pour vous jusqu'à ce que vous vous calmez, d'accord? Exactement. Vous êtes des sœurs. Vous devez être heureuses de vous tenir compagnie. Vous devriez vous soutenir. C'est très important. Je ne sais plus à quoi je devrais jouer. Je vais dans le salon. Bon, je peux vous lire quelque chose à voix haute? D'accord. Oui, le livre sur les tigres. Non, le livre des rois. Non, c'est trop ennuyant, j'aime pas. Et moi, je veux pas le livre du tigre. Bon, comme vous n'arrivez pas à vous décider, c'est moi qui vais choisir une histoire. Non, alors je ne veux rien entendre. Moi aussi, je vais dans ma chambre. Bon, c'est un triste dimanche. Ça passe avec le mauvais temps. Léna, tu veux m'aider à faire un gâteau? Oui, je veux bien. Je mélange la pâte. Qu'est-ce que tu fais là? On va faire un gâteau et j'ai le droit de mélanger la pâte. Oh non, c'est injuste. Je voulais aussi mélanger la pâte. Anna, on fait un gâteau. Tu peux venir nous aider? Je vais dans le salon. Je peux avoir ce carnet? Bon, très bien. Bon, super, tu as bien fait. Maintenant, il faut encore mettre le gâteau dans le four. Ah, Nikki, viens, assieds-toi chez moi. Tu peux avoir dans le livre. Quel carnet? C'est mon carnet, rends-le-moi. Et pourquoi j'ai pas le droit de le voir? C'est pas pour les petits. Je suis pas petite. Oh, c'est pas possible. Vous pouvez pas arrêter, non? Oh, c'est dommage. Vous avez eu tellement de temps à passer ensemble pour jouer. Ah, tu m'auras pas. Attends, tu vas voir. Oups. Oh oh, c'était le gel douche préféré de maman. Ah non, c'est fichu. Je voulais pas ça. Penses-tu que maman va remarquer quelque chose? Viens vite, on va nettoyer. Je vais laver le flacon. Oui, je vais laver la baignoire. Allez, je mets vite les flacons à sa place. La baignoire est propre maintenant. Viens, on remet le coussin à sa place sur le lit. J'espère que maman ne va rien remarquer. Ouais,
On va dans la chambre. Oui, pourquoi ? J'ai entendu tout à l'heure du bruit, et d'un coup, c'est calme. On regarde le magazine ensemble. Ah, super ! Eh bien, je trouve que c'est génial. Oui, on doit soutenir comme des cerfs. Maman, si jamais tu n'as plus de gel douche, tu peux utiliser le nôtre. Ah, d'accord, je vois, merci. Et maintenant, nous clôturons notre épisode. Maman, pour le concert, on va en voiture ou à pied ? Ben, je pense en voiture, parce que nous sommes pas mal en retard. Nicole, tu as les clés de la voiture ? Non, j'ai pas les clés avec moi. Mais moi non plus. Même pas les clés de la maison ? Non plus. Mince, ne me dis pas qu'on se retrouve dehors. Ah ouais, ça en a tout l'air. On oublie maintenant le concert. Oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va rester maintenant dehors ? Regardez, la fenêtre de la chambre à coucher, elle est encore semi-ouverte. Je crois que je peux l'ouvrir. Bon, je vais ramener une échelle coulissante. L'échelle est assez grande ? Ah bah oui, je pense bien. En tout cas, jusque là-haut. Fais attention, c'est quand même assez haut. Bien sûr. Papa, tu es déjà tombé de l'échelle une fois. Pas de panique, je fais attention. Quand je serai à l'intérieur, je vous ouvrirai la porte. Maman, on peut jouer un peu dans le bac à sable ? Oui, allez-y. C'est bon, Nicole. La fenêtre est ouverte. Bon, je rentre et je vous ouvre la porte. D'accord, je vais prévenir les enfants. Un instant, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de voir un voleur rentrer. Je dois absolument appeler la police. Le 110. Bonjour, c'est Monsieur Interwalder. Je viens d'apercevoir un voleur. Vous avez l'adresse ? Oui, ben, c'est chez ma sœur. Ici et maintenant, dépêchez-vous, avant que le cambrioleur m'attaque, parce que je suis qu'un vieil homme. Les enfants, papa a réussi à rentrer. Allez, ça y est, on rentre. Ah, cool. Allez, rentrez. Avec chance, la fenêtre était ouverte. On laisse les voitures et on continue à pied. En effet, il y a une échelle. On va d'abord explorer les lieux. Les cambrioleurs veulent nous piéger sûrement. Allons voir derrière la maison. Tu sais, Michael, j'ai comme une drôle d'impression que quelqu'un est derrière la maison. Comment tu peux dire une chose pareille ? Je sais pas, j'entends comme des bruits. Tu veux pas aller voir ? J'entends aussi quelque chose. Mais je vois personne. Je dois regarder par la fenêtre de la chambre de Léna. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Je vois personne. Mais j'entends quelque chose. En effet, je viens de voir une jambe. Il y a quelqu'un. C'est un voleur, papa ? J'en sais rien. Mais en tout cas, derrière la maison, personne doit y être, même pour chercher quelque chose. Je dois avoir un bâton quelque part. Attends voir. Laisse, on va appeler la police. Ouais, mais jusqu'à ce qu'ils viennent, ça va durer. Je dois absolument éclairer les choses moi-même. Oh, Michael, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Psst, Flicky, je peux pas te caresser maintenant. Je dois chercher quelque chose. Oh, mais je le trouve pas. Je vois personne. Psst, Nicky, redescends. Tu vas nous faire découvrir. Bonjour. Oui, salut. Est-ce que t'aurais besoin d'aide ? Oui, je crois bien. Au secours, je suis toute mouillée. Au secours. Mais c'était ma nièce Anna. Je l'ai absolument entendue. Bon, allons-y, rentrons. Peut-être qu'il y a quelqu'un en danger. Nous avons besoin de quelques outils pour forcer la porte. Mais, en effet... Ah, mais il manquait plus que ça, il y a quelqu'un qui force la porte. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mais qu'est-ce que tu fais, papa ? Je ne sais pas. Oh là là, je crois que... on aurait dû appeler la police. Mais le téléphone est en bas. Vite ! Ah, mon Dieu, c'est pas vrai ! Nous l'avons attrapé ! Mais j'habite ici ! Oh, c'est pas vrai ! Ouvrez les menottes, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible. C'est mon beau-frère, il habite ici. Encore un peu, je t'aurais blessé. Bon, ça va. Mais pourquoi est-ce que tu as forcé notre maison ? Michael, quelqu'un nous a prévenus au téléphone. Et en plus, j'ai entendu Anna crier « au secours ». Et c'était sûr que c'était sa voix. Sinon, on serait pas rentré comme ça.
Tu parles, un cambrioleur. Mince alors. Et qu'est-ce qui se passe en bas? C'est pas la voix d'oncle Martin? Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais tout vous raconter. Tout ça pour rien? Je suis vraiment désolé, Martin. Je voulais juste protéger ma famille. Ouais, bah moi aussi, je voulais les protéger. Chers enfants, chers fans de Playmobil, j'espère que notre vidéo vous a plu. Nous serons bien sûr contents si vous cliquez sur le pouce « J'aime ». Et si vous en avez envie, vous pouvez encore voir la suite. Là, vous trouverez encore d'autres vidéos de la famille Hauser.